Aleluia! Igreja Evangélica Rémy Raymond. Glória a Deus! Aleluia! Nous rendons un culto d'adoration ao Senhor. Amém! Vous êtes là? Aleluia! Aleluia! C'est un culto d'adoration ao Senhor. C'est un culto d'adoration au Seigneur. Par rapport à la lune, déjà, le prophète Joël, il y a prophétisé par rapport à ça. Il a prophétisé par rapport à ça. C'est un des signes que Jésus reviendra à bientôt. La lune, elle va avoir plusieurs moments qu'elle va rester rouge comme le sang. Et donc, pour le scientifique, oh, qu'est-ce que c'est de ça? On va étudier. Et bababa, et bababa. Autant que le prophète Joël a déjà prophétisé. Amen. C'est un des signes de la venue de Jésus-Christ. Et le monde est en train de regarder partout, il fait des photos, mais ils ne savent pas le sens. Pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi que cette fois ici, c'est le plus long? C'est même écrit dans la Bible. Et quelqu'un m'a demandé hier sur l'internet, comment ça se fait, pasteur? J'ai dit, pour te donner la réponse, c'est très facile, vas-y étudier la Bible que tu vas trouver. Amen. Alléluia. C'est tout écrit, hein? C'est tout écrit. Gloire au nom de Jésus. Qu'est-ce que c'est beau, ça? C'est très beau. C'est Jésus-Christ qui, avant même, et commence à dire pour le peuple, utilisons les prophètes qu'il a élevés sur la terre. Alléluia. J'étais en train d'étudier par rapport aux scientifiques. Vous imaginez que c'est étonnant pour moi. Dans le monde entier, 80% des scientifiques, ils arrivent à mourir avec la dépression. 80%, c'est beaucoup, hein? Dans le monde entier. Et pourquoi qu'ils arrivent à mourir comme ça? Parce qu'ils n'arrivent pas à prouver o que pendant toute sa vie, ils étaient en train d'étudier pour prouver, jusqu'à Z qu'ils étaient, ils avaient en fait la vérité en ses mains. Ils n'avaient pas. Et donc, ils arrivent à devenir dépressifs. Vous imaginez sans Jésus-Christ? Parce que le Seigneur ne donne pas le pouvoir à les hommes quand ils veulent grandir eux-mêmes. Il est le Seigneur. Et son nom est Jésus. Et son nom est Jésus. Bonjour, il y a quelqu'un qui dit bonjour, pasteur, la paix de Christ. Amen. Soyez avec vous aussi, soyez avec vous aussi la paix de Jésus-Christ. Restez avec nous, connectés. C'est le culte direct de l'Église chrétienne évangélique à Rémy Raymond en Vosges. Amen. Oh, partagez ça avec vos frères et sœurs. Amen. Alléluia. Glória a Deus. Je ne sais pas d'où vous êtes, mais vous êtes bienvenus. Alléluia. Le thème du message ce matin, c'est son nom est Jésus. Ah! Livre de Matthieu, chapitre 1er, verset 21. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Livre de Matthieu, chapitre 1er. Aleluia. A paz do Senhor a todos que falam português. Que Deus os abençoe e vos guarde. Comece a compartilhar este culto que é para glorificar o nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 1, verset 21. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, peut-être pas ouvert. Ouais.
Oh, je vais chercher à partir du 18. Voici quelle manière arrive à la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils habitent ensemble, elle se trouve enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulut pas l'exposer au déshonneur, se propose de rompre secrètement avec elle. Comme il a pensé, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit: Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et lui donnera le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia! Le nom de Jésus, en effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Lui-même avait envoyé un archange. C'était pas un ange, hein? Un ange qui est au service du Seigneur. C'était un archange. C'est-à-dire qu'il y a une différence, oui. L'archange, il part quand le Seigneur veut donner quelque chose on peut dire, inhabituel. Un service plus direct, quelque chose directement du Dieu, le Père. Alléluia! Et donc, le Seigneur a envoyé un archange. L'archange Gabriel quel devait être le nom de son fils sur la terre? Yeshua! Alléluia! Alléluia! Jésus! Yeshua en hébreu. Alléluia! En hébreu, Yeshua. Jésus, pourquoi que Jésus-Christ, pasteur? Parce que Christ, c'est par rapport au début de l'église primitive, ça vient du christianisme. Mais son nom est? J'ai pas compris. Son nom est? Jésus. Yeshua révèle l'identité de celui qui est le sauveur du monde. Alléluia! Alléluia! Elle révèle son identité qui est le sauveur du monde. C'est le nom plus beau. C'est le plus merveilleux. C'est le plus doux. Le plus aimant. Alléluia! Oh! C'est le nom qui, sur la terre, c'est pas Coca-Cola, hein? C'est Jésus qui est plus connu sur la terre. Alléluia! C'est Jésus! Alléluia! Ouais! Parce que c'est le plus puissant. Ah! C'est l'unique nom qui sauve. Parce que c'est l'unique qui a l'autorité de dire: je suis le chemin, la vérité et la vie. Alabaya regamandora basobria. J'étais en train de voir, vous imaginez, Bouddha, qui a créé une religion, les derniers jours de vie qu'elle a eu, elle était en train de mourir, elle dit: j'ai passé toute ma vie en train de chercher la vérité, il n'est pas trouvé. Parce qu'elle n'est pas cherchée dans le bon endroit. Parce que Jésus, il dit: je suis la vérité et la vie. Livre de Actes, chapitre 4, verset 12. Ele diz: il n'a pas de salut un aucun autre, car il n'a pas sur le ciel ni la terre un autre nom qui a été donné par les hommes pour lequel nous devions être sauvés.
Aleluia! Est-ce qu'il y a un autre nom qui peut vous donner le salut? Non. Non, il y a personne. Il y a personne. Il y a beaucoup de monde qui voulait se présenter, créer une religion. Et oh mon Dieu, j'aime beaucoup de ça. Beaucoup de monde qui ont créé des religions. Beaucoup de monde qui ont créé un livre pour expliquer sa religion. Mais aucun d'entre eux pour dire qui peut sauver à chacun de nous pécher. Mais je vous dis, dans la terre, sur le ciel, c'est l'unique nom qui dit, je suis le Seigneur. Je suis le Seigneur. Et le propre Dieu dit, c'est lui qui sauvera le monde de ses péchés. De ses péchés, du péché. Ce n'est pas Paul. Hein? Ce n'est pas Paul qui sauve. Ce n'est pas ça que Jésus dit. Ce n'est pas ça que le propre Dieu dit. Ce n'est pas Fatima qui sauve non plus. Ce n'est pas Lourdes qui nous sauve non plus. Ce n'est pas Pierre qui nous sauve. Non, pas du tout. Ce n'est pas non plus personne. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Livre de Philippiens, chapitre 2, verset 9, il dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé, la plus haute place. Il lui a donné le nom qui est au-dessous de tout nom. Oh! Il a donné un nom qui est au-dessous de tout nom. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Afin que au nom de Jésus, chaque genou fléchira. Rebacandaraba, soriandarabahaya. Sur la terre. Et que toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Est le Seigneur. Il y a beaucoup de monde qui aujourd'hui n'arrive pas à confesser que Jésus-Christ est le Seigneur. Mais je vais vous dire, dans le jugement qu'il va avoir, c'est lui le juge. Toutes les nations, et là-bas, soréanda la barraille. La personne va s'enfuir, personne va se cacher, va être bien debout pour regarder o que aujourd'hui tes yeux spirituels ne regardent pas. E lá vai besoin confesser que c'est lui le sauveur, que c'est lui le Seigneur. Rabachudere vassore andarabahai. Ah, la man, mais mon Dieu, son nom représente l'essence de la vie. Levar sobre, il n'y a pas de vie sans Jésus. Vous avez une vie fatigante. Vous avez une vie pleine de soucis. Vous faites des problèmes par tous les côtés. Vous faites tout que não importa quoi. Mas quando quelqu'un, regarde, quando quelqu'un qui lia para o Senhor, quando quelqu'un commence a suivre uma religião, que entend le nom de Jésus. Il y a même quelqu'un qui fait un signe de la croix. Hein? Je pense que pour dire, waouh, il est souverain. Je sais pas, quelque situation que quelqu'un fait un signe de la croix. Il y a quelqu'un qui, s'il y a un chapeau, il l'enlève. Hein? Parce qu'il est souverain. Hein? Il y a une attitude. Il y a une action qui est faite devant lui. Et parfois, nous, son peuple, qui connaissons la vérité, qui nous sommes en train de le connaître jour après jour, nous sommes devant lui parce qu'il est sur place. Il est sur place. Nous sommes devant lui, parfois, nous sommes comme un policier. Ça ne sort rien. Laissez pousser par le Saint-Esprit.
Rabai erege vasui de kemana. Laissez pousser par le Saint-Esprit. Donnez à lui l'honneur. Sortez de votre ego, de votre orgueil, de votre timidité, parce que le Seigneur n'est pas de vous donner un esprit de timidité. Il est le Seigneur. Et votre bouche besoin lui adorer, glorifier pour toujours. C'est son nom. Halaya Rabba Surya. Nul outro nome que o nome de Jesus. Nul outro nome que o nome do Senhor. Nul outro nome que o nome de Jesus. É digno de louvor. É digno de gloire à lui. La puissance et l'honneur. Église du Seigneur, nous devons ce matin prendre possession de l'autorité du nom de Jésus. Nous pouvons ce matin, nous devions ce matin pour l'autorité du nom de Jésus. Alléluia, parce que c'est l'unique nom. Que pour retentir sur toute la terre, sur tous les royaumes terrestres, sur tous les royaumes spirituels. Là, il était via sobrenaï. Araba chaye devia sa. Il y a quelqu'un qui dit que Satan, il a le pouvoir. Oui, il a un petit pouvoir. C'est bien limité parce que ni même la clé de sa maison, il y a. La Bible, elle a dit que quand Jésus-Christ, il est ressuscité, il est parti, il est rentré au ciel et il avait pris la clé de l'enfer. C'est-à-dire que la clé de la mort et de l'enfer, c'est en ses mains. Satan, il n'y a rien. C'est lui qui est le tout-puissant. Araba, il y a beaucoup de monde qui veut cacher sa puissance, mais va pas arriver. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Nul autre nom. C'est le nom. Oh, on chante. C'est le nom du Seigneur. Nul autre nom. C'est le nom de Jésus. Est digne de quoi? N'est digne de louange. N'est digne de gloire. Alléluia. Alabaya, son nom est capable de retentir jusqu'au fond des entrailles de la terre. Son nom, est capable de pardonner le péché. Livre d'Actes, chapitre 10, verset 43 dit: tous les prophètes ont dû de lui témoignage que toute personne qui croit et lui reçoit par son nom le pardon du péché. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est tous les prophètes. C'est tous les prophètes. Son nom, il guérit. Il pardonne le péché, il guérit. Oui, il guérit, pasteur, il guérit. Il guérit, il change tout. Livre d'Actes, chapitre 3. Oh, là arrive Pierre et Jean au temple pour prière. Oh, devant la porte, il y avait un homme handicap de ses jambes. C'est-à-dire qu'après, ça fonctionnait très bien, mais ses jambes, il y avait un handicap. Et donc, il était toujours à la porte du temple pour demander de l'argent, pour demander d'aide. Mais en ce jour-là,
arrive Pierre Jean. La église primitive, la église vient de se faire, vient de organiser le Seigneur rentrer au ciel. Et cet homme, il était là. Il était là où demandait de l'argent. Il ne savait pas que cet jour-là, ça va être le jour que le Seigneur va changer sa vie pour toujours. Et là, il était, là vient. Là vient les serviteurs du Seigneur pour prier. 3 heures de l'après-midi. Trois heures de l'après-midi, un soleil incroyable. Il arrive. Il était toujours là pour demander, mais c'est dans ce jour-là, ça va être différent. Complètement différent. Ils arrivent, ils s'approchent, et cet homme demande à tous les deux. Et Pierre, avec l'autorité du Seigneur, alléluia, avec une très grande autorité du Seigneur, c'est-à-dire le nom de Jésus, alabai et devia sobria. Demande à cette monsieur, regarde-moi. Regarde-moi. Regardez bien moi, si vous commencez à lire le chapitre 3 de Actes, vous allez voir, à partir du 6. Regardez-moi bien. Je n'ai l'argent ni l'or. J'ai pas d'euros, j'ai pas de dollars, j'ai pas quoi. Mais j'ai le nom de Jésus-Christ. Et est au nom de Jésus-Christ que je te demande. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Ele guérit. Quando vous êtes en train de prier pour que le Seigneur pour guérir, vous dites quoi? Seigneur, guéris cette maladie. Seigneur, regarde, il est en train de souffrir. Seigneur, guéris-le. Vous avez l'autorité. Et vous ouvrez votre bouche. Église du Seigneur. Ouvrez votre bouche. Dis-le au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, maladie. Au nom de Jésus-Christ, partez maintenant. Parce que aucune maladie peut rester quand le nom de Jésus-Christ est proclamé avec l'autorité du Saint-Esprit. Et vous avez bien entendu? Ma vie, elle est vida. Elle est vida. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire cette semaine. Je n'arrive pas à me débarrasser de beaucoup de choses. Je n'arrive pas à vider ma pensée de beaucoup de choses négatives. Et au matin, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je vais avoir une journée de victoire. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout le pouvoir du ténèbre. Au nom de Jésus-Christ, j'ai dit Satan, derrière de moi, parce que devant, il y a celui qui commande le ciel, la terre, la mer, partout. Et son nom est Jésus. Je sais pas si vous sentez quelque chose. Je ne sais pas si vous pouvez commencer à penser que quand on parle le nom de Jésus, ça ne peut pas sortir naturellement comme j'appelle Yohana, comme j'appelle Oha, simple comme ça. Comme j'appelle Christian, comme j'appelle je ne sais pas qui, mon Dieu. Jésus, Yeshua est son nom. Il y a même des gens qui ne peuvent pas parler Yeshua. Adonai. Yahvé. Il est saint. Il même a dit, en même temps, il y a le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Tout le pouvoir, c'est-à-dire que je ne peux pas prier pour lui comme si je suis en train de prier n'importe comment, non. Ah, Jésus, donne-moi une semaine de victoire.
Sa parole, elle a dit, vous priez, et vous, votre prière n'est pas exaucée parce que vous ne savez pas comment prier. Vous avez l'autorité. Il faut que vous disiez de l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je vais avoir une semaine de victoire parce qu'il est avec moi. Je vais arrêter de penser négative. Je vais parler de penser négative. Je vais arrêter de parler négative. 80%, 90%, 99% do que vous parlez, do que vous pensez pendant la journée, c'est négatif quand c'est quelque chose que vous va réussir. Mais vous imaginez? Est-ce que vous rendez compte? C'est votre adversaire. C'est mon adversaire, dit le Seigneur, qui ne veut pas que vous pouvez réussir, qui ne veut pas que vous pouvez arriver. Et dans ce moment que cette pensée arrive dans votre corps, dans votre cerveau, dans votre âme, c'est là que la guerre elle est déclarée. Regardez-vous et dites, je vais réussir. O nome de Jesus Cristo, je vais réussir, je vais arriver, só de bon moi, Satan, parce que arrive avec moi, milhares de anjos, rabaya, ragaço, de que managassare, e baixae, je ne la jone le, mais ce que j'ai, je te le donne, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Alabaia. En Luc 10, verset 17, il dit que même les démons ne sont soumis en son nom. Il n'y a aucun qui reste. Hé, fils de ténèbres, père du mensonge, qui est pas vainqueur, qui à chaque fois qu'il s'élève, le Seigneur est plus grand pour dire, hé, partez. Parce qu'avec celui-là, c'est moi, c'est mon fils. Avec celle-là, c'est ma fille. Elle est protégée. Il est protégé. En mon nom. Là, il y a rabassure. Tous les démons sont soumis. Ils besoin partir. Et vous se rendez compte du pouvoir. Vous se rendez compte du pouvoir. Ai, arabassure, andara. O Senhor veut vous donner l'autorité sur la terre. Vous pouvez recevoir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'autorité sur la terre. Au nom de Jésus, l'autorité sur vos vies. Alai, arabassure, andara, bahaya. Oh, son nom, ele ouvre les portes. Alai, etevachai. Ele ouvre les portes. Apocalipse chapitre 3, verset 8, il dit, je connais tes œuvres. Voici que tu as un peu de puissance et que tu as gardé ma parole. C'est pour ceux qui gardent sa parole. Et il dit, et que n'est pas régné mon nom. Où tu vas aller, je suis là parce que le Seigneur m'a ramené. Jésus-Christ est avec moi. Je vais avoir quelque chose parce que Jésus-Christ, il est là. Il dit qu'il n'est pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Et personne, personne n'est pour fermer. Est-ce que vous pouvez donner gloire au Seigneur? Est-ce que vous pouvez glorifier son nom? Charabaya ragandara basuria. Eremando ragandora baia rabassuria andara bahasia. Personne n'est pour régner son nom, s'il veut être béni.
Personne ne peut cacher son nom, s'il veut être béni. Et en son nom qu'il y a le pouvoir de changer ta vie. Personne, si tu es vide spirituellement, si tu arrêtes spirituellement, si tu viens plus à l'église spirituellement, et là il va dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je te dis, lève-toi et marche, parce que le Seigneur a bientôt, il va revenir. Sa parole, elle a dit, on se joue là. Est-ce qu'il vous va présenter devant lui avec des mains vides? La main de Tébia sobre taille. Est-ce qu'il vous va se présenter devant lui avec des mains vides? C'est-à-dire quoi, pasteur? Qu'est-ce que vous avez fait dans l'année 2018? Les mains vides s'appellent les fruits. Les fruits, c'est quoi les fruits? Les âmes. Combien des âmes tu as parlé du Seigneur, de son amour cette année? Combien de personnes tu as invité pour venir à l'église pour recevoir la bénédiction du Seigneur? Ah bon, il besoin venir à l'église, oui. Oui, besoin venir à l'église parce que c'est là où nous sommes rassemblés. Oh, chez nous, on peut prier, on peut louer, on peut lire la parole. Mais ici, c'est pour oh, rabai, rebassa, et tevanabassa, pour recharger, pour recevoir. Une voiture, vous conduisez des voitures, hein? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est fort. Vous conduisez des voitures. Oh, vous n'avez pas fait attention dans le réservatoire de la voiture, elle est vide. Vous avez besoin de faire quoi? Aller au poste de service, hein? Ou partir avec... voilà, pour chercher. Hein? Vous ne pouvez pas remplir le réservatoire de la voiture partout. Vous ne pouvez pas remplir partout parce qu'il n'y a pas partout. C'est un endroit qui est fixé, que vous besoin ramener la voiture. Ou que vous besoin aller avec quelque chose pour remplir. Et alors revenir pour mettre dans le réservoir de la voiture. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ça? Le Saint-Esprit est en train de parler à son église. C'est bien de prier chez toi. C'est bien de te louer chez toi. Mais c'est ici que je t'attends. Allah est bien ça. Et c'est le nom plus puissant qui te dit ça. C'est ici que j'ai rempli ton réservatoire. C'est ici que tu reçois de direction pour suivre le chemin que j'ai mis devant toi. Daí. A noite ela é biachai. Ela, ah, combien de fois. Eh, mon adversaire vê que tu viens pas. Combien de fois ele começa a guerra. Le samedi, laia, sobre que manavasse. E a confusão começa da boa na tête. Eh, c'est un petit détail que pendant la journée, ça vient une confusion, un problème incroyable. Porque le dimanche, tu sois pas encouragé pour venir à l'église. Il y a des invitations exactement le moment du culte que je vais te parler. Il y a des choses partout. Parce que mon adversaire attire l'attention même des mes élus, dit le Seigneur. Rétébia chobria. Et combien entre eux qui donnent la place et commencent à parler et commencent à rentrer en guerre et commencent la confusion et la paix, ça n'existe plus. Et je commence à regarder la situation et je commence, il n'y a aucun qui vient pour demander pardon. Demain, ça va être le culte du Seigneur.
On ne peut parler, je ne peux parler comme ça, ni moi, ni toi. Laïe, tchoubianaï. Personne donne la écoute, parce que c'est lui qui a le nom dans le ciel et sur la terre. Laïa, taïa, saï, plus puissant. Personne ne se rend compte que je vais être là. Il y arrive là et chaye avec la tête. Plein de tout que chose, sauf pour m'adorer. Là que vai, vous faites quoi? Chaye rabai, revai, orede, chocomanai. Là et saï, orede, saï. J'ai mis devant toi l'autorité au mon nom. Est-ce que vous voulez embrasser ça? Est-ce que vous voulez sortir de votre ego? Est-ce que vous voulez laisser votre chair mourir pour embrasser cette puissance qui a en mon nom? Parce que je vous parle. Laïkaï, tobia, naïte, hebia, rebachaïe, te va sobria, lecho, ne va sobrenaï. Que tu as gardé ma parole et que tu n'es pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte aberte et personne n'est pour fermer. La baïa rabasso. Livre de Marc, chapitre 16, mon Dieu. 17 au 18, elle dit, mon Seigneur, je sens la gloire. Leia tarato tebia noga sobria. Je sens la gloire de l'Éternel. Je sens la gloire de l'Éternel. Et là, il y a même des personnes qui sont connectées avec nous qui sont en train de sentir la gloire. Et là, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Là, était Mandora Bassouria de Levachai. Lève-toi et marche. Parce que le moment est arrivé. Que le Seigneur dit à toi. J'ai pu tout faire pour toi. Mais comme tu es là, je n'ai pour rien faire. Lève-toi et marche. Sortez de verre. Là, sobre que va so. Lève-toi. Sortez. Remando de votre confort. Sortez maintenant. Parce que j'ai mis devant toi une porte ouverte. Et personne ne peut fermer. Là, il est tchorébianaï. Embrasse cette porte qui est devant toi. Parle à l'Éternel. Regabas, non t'inquiète pas. Parce que moi, je vais tout mettre en place. Ma promesse sur ta vie. Et je vais l'accomplir. Dis l'Éternel. Rabasude tchorébianaï, achai. Le que mandorébassai. Livre de Marc, chapitre 6, verset 17, ele diz: celui que croit e que será baptisé será sauvé, mas celui que ne croit pas será condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom. Aïe, alabai, achai. Ils pourront chasser les démons. Parler um novo longo, beaucoup de mundo parle de beaucoup de longo de ferro. Mas j'ai donné le don de discernimento pour savoir quel longo vient de moi, dit l'Éternel. C'est celui qui a la puissance en mon nom qui parle um novo longo. Hey, va attraper des serpents. E se ele pouvait de bourrage mortel, celui-ci n'aura fait aucun. Mal. Chai. Laietebia soregebia nagashobria. Le manda nevia sai. Ao nome de Jesus. Je brise tout l'esprit de maladie. Ao nome de Jesus, je brise tout la puissance. Limité do tenebra dans vos vies. Au nom de Jésus, je brise tout l'esprit d'incrédulité. Au nom de Jésus, je brise tout l'esprit de conflit. Chut! Rebacharabasui de kebarabasaya.
Laiatebiaçó. O nome de Jesus, Jebrisa. Jebrisa, toda maledição que pesa sur toi. Ao nome de Jesus Cristo, Jebrisa, toda la maledição que pesa sur ta família. Raiade vai achar de l'Eternel. Regaço e devai anjo, tu é teu um quelque pa, quelqu'un fait quelque chose, et avec des esprits sataniques contre ta vie, a partir de là ta vie, ela é tu arriver pas réussir, c'est des échecs à échecs, mais dit l'Éternel, aujourd'hui c'est brisé tout ça, en mon nom, en mon nom, en mon nom, alabia, darabaya, raga sobria. Je brise au nom de Jésus toute la malédiction sur ta famille. Levantez-vous, tout l'esprit satanique, là qui est rouge, sous la Union européenne. Je brise au nom de Jésus. Là, tout l'esprit de raisonnement, là est basse. Je brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise la malédiction qui est en ta vie. À cause du péché que tu étais en train de commettre jour après jour. Chayanete. Rabassou de kebachaye. Alabaya rabassoui. Mon Dieu, labanda bassoui de kema sobria. Tout qui vous demandez avec foi par la prière, en mon nom, vous recevrez. Amen. Shalabaya, rabaya, ragasso. Remanda, c'est qui pudi. Je suis vainqueur au nom de Jésus. Je suis vainqueur au nom de Jésus. Je brise tout l'esprit satanique au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sortez. Sortez au nom de Jésus. La victoire est pour la Église du Seigneur au nom de Jésus. Alabaya. Raba surianda rabaya ragashaya tebia. Eleite via sai. O Senhor é um trem de visitar licor de João ici. O Senhor é um trem de visitar ta via matinon. O Senhor é um trem de entrer dans ta maison matinon. Que vous pouvez recevoir la bénédiction au nom de Jésus. Laia, soyez délivré, libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus, soyez délivré. Rabaya regeba sui de que managa sai. Aya laya taya que mandore baiarai. Ele que nava sai. Elaye te choque mando. Je vais plus être la même personne. Amen. Au nom de Jésus. C'est qui peut proclamer ça? C'est qui peut proclamer ça? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et cette année encore, le Seigneur va m'utiliser pour gagner une âme de plus. Au nom de Jésus. Vous pouvez répéter ça? Vous pouvez se engager avec ça? Cette année encore, je vais gagner une âme pour ton royaume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez acclamer le Seigneur. On peut finir avec Colossiens. Toi, 17, on va finir jusqu'avec ça. Erebai, arrêtez pas de glorifier le Seigneur. Livre de Colossiens. Chandaraba, suriandarabai. Elatete que mandorebai, araba, suriandai. En quoi que vous fassiez, et garde-moi bien.
En quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom de Jésus. Alléluia. La bachara basurianda la basai. Remandagasso, je proclame au nom de Jésus que votre vie, ela va pas être non plus comme avant. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Je proclame que votre vie, elle va pas être pas la même, Amen. Non plus comme avant, Amen. Au nom de Jésus. Haya raba ya raba shaya la, harabamba kandore basai. Vous pouvez recevoir la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marchons dans sa gloire au nom de Jésus. Marchons, donnez les prémices du Seigneur au nom de Jésus. Recevoir la puissance du nom de Jésus. Ai, araba, araga, sobrenai. Je sais que o Senhor a parlé avec vous. Je sais que o Senhor, que c'est un homme, que c'est une femme qui parle la parole du Seigneur. C'est avec la puissance de son nom. Alaba, araga, sobrenai. Parce que homme e femme, ele é sur la terre, devant de Dieu, son de serviteur de l'éternel. Nela. E o Senhor vê te lever por parler essa parola. Leva tua, ouvre tua bucha, parce que o Senhor é avec toi. La baia raga sobre terre. E vous que vous êtes là, se não vai, se vous ne pas donner votre vie ao Senhor, venez, vita. Vite, venez ao Senhor. De matinon où vous êtes. J'accepte le Seigneur comme mon sauveur de ma vie. Parce que à partir de matinon, j'ai découvert qu'il y a seul un homme qui sauve. Jésus-Christ. Le Seigneur est sauveur. Amen. Amen. Je vous embrasse très très fort. Aleluia. Partagez avec cette parole avec vos amis. Aleluia. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Et amen. À dimanche si Dieu le veut. Aleluia.